Ok, bonjour et bienvenue, c'est Petit Chula Dancy. On est sur Heroes of the Storm, on est sur l'alpha, l'alpha de Heroes of the Storm, on est sur le mode de jeu, l'éminenté. Du coup, l'objectif de ce mode de jeu, alors je viens de jouer une game juste avant, c'était la première fois que je découvrais ce mode de jeu. Du coup, là, on l'a fait en vidéo, et donc l'objectif de ce mode de jeu, c'est que les mines s'ouvrent à un certain moment donné. Et l'objectif, ça va être de buter des squelettes dans ces mines pour récupérer les crânes qui y sont cachés. Plus vous récupérez de crânes, plus le golem qui va s'en suivre et qui sera libéré par chaque camp sera puissant. L'objectif étant que, en fait, le golem va être un puissant allié qui va vous permettre de vous mettre bien dans la game, tout simplement. Donc voilà, en gros, plus tu récupères de crânes, plus ton golem est badass, plus ton golem est badass, plus tu as de chances de gagner. Pour faire simple. Et c'est un mode de jeu parmi tant d'autres. Alors, Heroes of the Storm, c'est une sorte de MOBA. Il faut savoir que tout est... Choisissez les rebelles. Voilà, tout est... Tous tes sorts sont déjà disponibles dès le départ. Tous tes sorts sont déjà disponibles dès le départ. A, Z et le E. Bon, pour lui, le E, c'est un passif. Il s'active tout seul. L'ultime arrive à je sais pas quel niveau, niveau 10 justement, et ce sera le R. Et vous pouvez bien entendu, c'est-à-dire que si un autre joueur en face qui joue le même perso que moi, il aura pas forcément les mêmes améliorations que moi, du coup c'est très intéressant de jouer ça comme ça. Ok. Ok, ils ont déjà pris ça. Be careful. Va falloir assurer. Là, y'a un mec. Là, y'a un mec, bordel de merde. Parce que oui, y a certains joueurs... Oh, y'a une Zagara en fait. Oh, Zagara, elle vient de prendre cher, elle a été défoncée. En même temps, il sait pas la jouer. Bim, petit crabe, qu'est-ce qu'il y a, petit scarabée, moi je te casse la gueule. Oh, il tire de loin, lui. Alors du coup, ouais, vu que c'est d'alpha, il y a encore pas mal de bugs. Ouais, lui, il faut qu'il se casse. Hein. Va te calmer, mon gars. Rentre chez ta mère. T'arrêtes de toucher mon petit dragon. Du coup, on est déjà en teamfight, c'est bien, merde. C'est bien le gros bordel. Olé. Ah, y'a Zeratul à côté de moi, voilà, il est là mon con. Il est en train d'essayer de me casser la gueule. Faut que j'aille chercher un peu de vie. Oh, un touchant. Vous voyez, le jeu est beaucoup plus intense, ça fight vraiment un peu n'importe comment dès le départ. Voilà, un petit Z, le Z permet d'améliorer mes... Oh, on a une Zagara dans notre équipe aussi. Ah, du coup, y en a une en face et une de chaque côté. Là, y'a un Zeratul juste ici. Bim, tu vois, j'ai enlevé son camouflage. Parce qu'on le voit un petit peu flouté. Du coup, vu que tu le vois un peu flouté, faut en profiter. Faut vraiment en profiter. C'est ce qui te permet en fait de le voir. Là, on le voit ici. Vous voyez? J'essaie de vous montrer un peu comment on peut les choper. Ah, du coup, on peut descendre dans les mines maintenant. Voilà. On peut descendre dans les mines. Et il faut en profiter un maximum. Voilà, il faut vraiment rusher les objectifs. Sinon, on perd. Si vous rushez pas les objectifs, vous perdez. C'est le concept même de cette game. Les gars, mais aidez-moi quoi, je sais pas. Pourquoi elle s'est barrée comme ça, la gare, elle peut voler, on dirait une sorte de... Je passe en mode hostile. Voilà, il faut récupérer le maximum de crânes. Là, on est à 34 contre... Voilà, lui, il va se casser la gueule, mon gars. Voilà, il t'en attaque, mon gars. Pas le temps vraiment de choisir un talon là, vois-tu. Enfin, un talon, j'en ai déjà pas mal. J'en ai deux. Wouhou, je viens de prendre cher. Ah, J'ai fait le con. Du coup, on est à 34 contre 36. Et il faut vraiment pas crever, sinon c'est vraiment la grosse merde. Are you fucking kidding me? Ça, c'est Diablo. Diablo. Zeratul et Zagara. J'ai 4 de minimap. Bon, il y a déjà un petit rageux, mais il faut qu'il se calme, mon gars. C'est un jeu, mon gars. C'est un jeu.
calme-toi, mais calme-toi, moi je te dis, mais calme-toi, arrête de t'énerver, ça m'énerve les gens qui s'énervent, ils prennent compte, après ça fait en sorte que je m'énerve, ça m'énerve de t'énerver, allez le cochon, moi je veux du jambon mon gars, qu'est-ce qu'il y a, allez, là il y a un Zeratul là, voilà, Zeratul juste ici, voilà, il est reparti invisible mon con. Bah du coup moi je me fais mon golem hein. Oh mais où j'ai tiré, mais qu'est-ce que je fais, mais où je vais, mais attention il y a Zeratul qui colle à nous. Voilà il est juste là. Zeratul il est invisible. Allez moi je me fais casser la gueule en rentre par mon con. Par mon con de gros bestiaux. Arrête de me taper. Eh bah écoute, on va prendre hein. Il est temps que mes golems reviennent. Du coup on est à combien contre combien? On est à 50 contre 50. God damn it. 50 contre 50. Nos golems sont de la même puissance chacun. Il y a un Raynor en face. Et le Raynor en face n'est pas forcément le même que moi. Tu peux compter sur moi. C'est pas comme dans du LOL. C'est un peu en fait si vous voulez choisir les compétences. Il n'y a pas de stuff hein. Les talents, pardon. Choisir les talents, c'est pas... C'est un peu comme choisir des objets différents dans le jeu. Les deux golems ont l'air d'être d'une force égale. Ouais, ça va être bien, ça. Le plan me va. Voilà, un petit shot, on se casse. Non, mais Zagara tue. Zagara, recule. Arrête de faire des bêtises. Voilà, c'est tout. Zagara, recule. Laisse le golem se tranquiller. Voilà, hop, on va le sniper, hein, parce que c'est un petit peu trop malin, je trouve. Du coup, il va prendre un peu cher. Voilà. Là, en revanche, avec mon A, je vais pouvoir faire mal. Ah, goddammit. Et vous voyez, on a pu retourner un peu la game. Ça a vite un attaque, maintenant. Voilà, lui, il prend. Ah, on m'a transformé en putain de crabe, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là, on les dégage un peu, les adversaires. On booste un peu les golems. Oh, merde, il faut sortir de la zone. Voilà. Il va falloir assurer. Zeratul, il va crever. Voilà, lui, il est mort. Ah, j'en ai marre d'être transformé en crabe. Ça, c'est le petit dragon qui me casse les couilles. Là, il va falloir commencer à back, parce que le golem, il va crever. On a pas mal push. Nos alliés galèrent quand même avec le golem au-dessus. C'est ce qui arrive de temps en temps. Okay. Du coup, je vais aller les aider. Parce que vous voyez, ils peuvent tirer que un certain nombre de fois. Après, il faut qu'ils se rechargent. Vous voyez, après, ils ont plus de canon. Allez, crève, mon gars, avant que la tour tombe. Merde, ils sont tombés. Ça, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Et voyez, en fait, là où le golem tombe, c'est là où il va revenir. Oula, je vais aller au bot. Je vais aller au bot parce qu'ils sont push. Ils vont mettre plutôt là. Toute la journée, s'il le faut. Je suis en route, mon gars. Viens t'aider. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu caches ta gueule. Starcraft Power, mon gars, Starcraft Power. Il y a des tumeurs muqueuses de partout, qu'est-ce que tu veux? Alors, ah voilà, je vais prendre le R, ça c'est l'ultime. Avec l'ultime, en fait, ça vous permet... Tu peux compter sur moi. L'ultime, en fait, vous permet d'envoyer un ultime, tout simplement. Mais vous avez deux choix d'ultime. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai deux choix d'ultime. L'arcage en cours. Vous voyez, on peut focus fire des points comme ça. Joli ça. Ouais, en retraite. T'inquiète pas, tu m'as pris pour quoi? Qu'est-ce? Tu m'as pris pour quoi? Tiens, casse-toi, toi, hop. Vous voyez. Alors, ce qui m'énerve, c'est que je sais pas. Recule, mon con, recule. Très bien, ça, très bien. Allez, on back.
Voilà. C'est un beau gros. C'est un beau gros bordel quand même. Et recule, Diablo, tu vas crever, espèce abruti. Voilà, laisse Zagara envoyer des balles lignes, c'est très bien là. C'est très très bien là. Allez, alors mon gars. Tu veux, hein, si tu veux. Garde, garde-toi, y'a pas de problème. Ouh, on vient de Nidus, mon gars. Bon, lui, c'est plus défoncé. Hein. Ouais, non, mais là, je rentre pas. On est plus deux. Qu'est-ce que ça passe, mon gars? Qu'est-ce que ça passe? Merde. Bon. Ok, on est bon. Et voilà, on se l'attend. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? En piste, les qu'est-ce rebelles. Qu'est-ce qu'il y a, petit colon? Allez, sale dragon, je te casse la gueule. Tu te prends pour un papillon. Regarde, bim. Là, il faut qu'on chope le plus de crânes. On est mené 60 à 5 à 10. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? 60 crânes à 10. On s'est fait piller, mon gars. Allez, vite, 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 vite. Ils vont essayer de nous le voler. Hein. Ils vont essayer de nous le voler. Il faut faire gaffe là. Toute la journée, s'il le faut. Il faut vraiment faire gaffe. C'est-à-dire que là, ils veulent nous le voler. Hein. Parce que oui, c'est pas celui qui tue le bestiau qui l'a. C'est ce que je veux dire. Putain, moi je me suis fait gangbang. Zeratul, mais qu'est-ce que tu fais à l'opposé? Pourquoi? Pourquoi t'es allé à l'opposé? Et toi, pourquoi t'es là-haut? Tu vois ce que je veux dire? Travail de team, mon gars. Travail de team. Nous, on est une teammate de fou. Voilà. Du coup, là, 90 contre 10. On va se faire laminer. Notre golem va nous éclater la gueule. On est d'une force... d'une force... Du coup, là, il faut défendre. Défendez, l'homme de con. Oh, le golem là, c'est le golem de la vie. Il apparaît dans quelques secondes. Mais venez défendre, bordel. Voilà, encore un mec qui rage. C'est toujours le même que Diablo. Diablo, il arrête pas de rager. Ça doit être un joueur de LOL. Ça doit être un putain de joueur de LOL, c'est ce que tu veux. C'est quoi que je me suis pris là? Ennemi a détruit un fort. Votre fort est tombé sous les coups de l'ennemi. On ira voir le profil de mon son Diablo. Parce que lui, c'est un putain de ravé. Mais j'aime pas ça, les putains de ravé. Là, il y a un Zeratul sur ma droite. Ah, ok. Je suis slow, y a pas de problème. Je vais prendre le golem. Zeratul qui s'est mis invisible. Vous voyez que si vous jouez pas les objectifs quand même, ça se bosse très rapidement. Et c'est la grosse merde après. Et tout en donnant un adversaire, un allié pardon, qui rage un bon coup. Ah, c'est la grosse merde. Là, il y a un Zeratul invisible. Je vois pas, je vais être en plein milieu. Allez, crève mon con. Voilà. Zeratul. Voyez, on s'est fait push au bot aussi. Hein. On s'est fait push au bot aussi. Et du coup, là, c'est. C'est bien la merde. Choisissez un tel. Héros, votre idole subit une attaque. Ralentis les données de front, je renforce l'attaque de base contre le héros. Peut être activé tout le monde. Réduit les dégâts dessus par les catastrophes. Oh, ouais. You fucking three just hanging around. Voilà, le mec qui continue sa petite rage. Il est content, c'est la maison du content. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Très cool. Allez, dans le chip, butez-le là. Celui-là. Et moi je me suis pris de faire un truc. Ah, les banshees c'est vraiment très useful. Vraiment très très useful. J'ai cru voir un Zeratul s'arrêter. Arrête de rush!
C'est quoi ce truc? Ça s'appelle se faire défoncer, mon gars. Au secours! Aidez-moi! Help me, bitches! Je vais crever! Oh bah là, je suis mort. Hein. On m'a transformé en petite bestiole. Ah ouais, ils sont tous morts au même moment. Diablo l'orageux inclus. Hein. Diablo l'orageux inclus. La mort rôde dans les mines. Voyons voir Diablo l'orageux. Comment il joue. Vous voyez. Il joue comme un fou, Diablo l'orageux. Ah, il est mort 4 fois quand même. Bon, il n'y a pas de... Il y a pas de fil. Hein. Il n'y a pas de fil, c'est-à-dire que plus tu kills... Enfin, si tu peux feed un peu d'une certaine façon, parce que ouais, tu donnes de l'XP à l'équipe adverse. Tu peux en quelque soit feed, mais tu vas pas avoir un adversaire absolument pété. Bim, tu restes ici, mon gars, tu restes ici toute la journée s'il le faut. Oh foiré, c'est sérieux. Bon bah du coup on descend dans la mine. Faut qu'on rattrape notre retard à tout prix. Voyez, il y a encore des... Il y a encore des petits bugs comme ça. Des zones où ça devrait le faire. Je prends lourd. Parce que oui, mon perso est quand même... Vous voyez, au niveau de sa vie, il est vachement fragile contre les... Contre les autres héros. Alors que Diablo, il s'apparenterait plus à une sorte de gros... Le gros tank. Ouais mais là... Voilà, là... Là Zeratou, je sais même pas pourquoi il est arrivé quoi. Zeratou, je ne sais pas pourquoi il est venu. Bon du coup on est tous morts. Ah non, il en reste un. Qu'est-ce qu'il fait de 1 Azagara. Azagara est en train de se fight tranquillement. Ouais. Du coup, on doit être un niveau très très élevé. Ok. Libérez-vous et détruisez vos ennemis. Ah, tu vois, notre allié rage comme un bon petit rageux. Il est mignon. En piste, les rebelles. Mignon, le cutie. Voyez comment leur golem devient vraiment plus badass. Dès lors que les mecs ils ont plus fil. Le nôtre est pratiquement mort. Hein. Il est pratiquement défoncé juste par leur niveau. Le leur c'est pas encore le cas, hein. Il est à peine à mid-life. Et du coup. Ouais là c'est perdu. Hein. C'est la loose. La loose. Mettre mieux la prochaine fois. Il fallait que je finisse sur cette magnifique... Magnifique envoi, tu vois, retourne jouer à LOL. Parce que voilà, c'est un joueur de LOL qui réagit comme ça. En tout cas, j'espère que cette game vous aura plu malgré ce putain de rageux. Mais c'est comme ça. C'est des mecs comme ça qui doivent avoir 10 ans et qui assument pas leur propre défaite. Du coup, en tout cas, j'espère que cette game vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à plus, à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!